Notre banque est passée en arrière, on n'a même pas encore fait les vaccins. Pas oublié. Vous êtes évité, vous avez bien sauté un traitage si vous suivez là votre carnet de vaccination. Des récompenses comme ça, ça t'a pas. Des fois, ça peut paralyser, ça peut. Non, non, non. Franchement, moi, ça m'a aidé. Je veux dire par là que ça ouvre quand même un petit peu. Comme ça aide un peu pour la carrière du film, si tu veux. Donc, le film a plutôt bien marché. Et ça ouvre pas des horizons, puisque je sais pas. Mais il y avait quand même un climat favorable pour d'autres entreprises. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Claude Nedjar est venu me proposer Malville. Alors, Malville, tu parles quand on vient te proposer un pavé comme ça, tu as te fait réfléchir un petit peu, c'était compliqué. C'était le livre lui-même de Robert Merle était très gros, et ça correspondrait forcément à 7-8 heures de film et tout. Il fallait donc d'abord savoir ce qui nous intéressait. J'avais très envie de retravailler avec Pierre Dumayet, et puis il fallait élaguer beaucoup, donc dans un sens. Et puis finalement, on a choisi, finalement ça correspond à 2 heures de film, donc c'est-à-dire c'est plus restreint, bien sûr, avec des choix qui étaient toujours liés au, je dirais, au, entre guillemets, au plus simple. Je veux dire, de circonscrire ça au groupe d'hommes qu'on suivait et d'essayer de pas avoir parallèlement beaucoup, beaucoup d'autres choses. Les autres choses arrivent, mais elles arrivent toujours liées à ces gens-là. Voilà, donc on a commencé à... Ce qui était bien sûr totalement passionnant au départ, c'était le principe même du film. C'est-à-dire qu'il y a, c'est des gens qui ont tout à réinventer. Donc il y a d'abord cette catastrophe dont on ne voit que des lueurs sous les portes de la cave. Là, c'est un autre voyage interplanétaire, ça. C'est effectivement, quand ils vont sortir de cette cave, il n'y a plus rien. C'est un autre monde, c'est un désastre. Ils ne savent pas sur quelle planète ils sortent. Et effectivement, c'est une planète grise, avec des tourbillons de cendres. Et petit à petit, la catastrophe est en fait, il s'agit de recommencer à vivre et de recommencer à explorer tout autour l'environnement, le monde dans lequel, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ça c'était brut, et on a l'impression de que c'est les débuts de l'histoire de l'humanité, quoi. J'exagère, bien sûr. Mais, donc ça c'est tout à fait passionnant à faire, parce que c'est encore une fois une histoire de survivants qui vont avoir à développer des trésors d'adaptation, des trésors de persévérance, des trésors d'invention pour réussir à vivre. C'était tout à fait passionnant à faire. Il serait revenu si je n'avais rien trouvé. En tout cas, laisse mon cheval tranquille. Mon cheval, ton cheval, son cheval. Vous êtes fou, non? C'est difficile de se faire comprendre. Je voulais dire le contraire. Tout ce qui est ici ne m'appartient plus. La Père Blanche est à nous tous. Je ne peux pas partir avec elle sans vous en parler. Tout ça, c'est des paroles. Non. Allez. C'est vrai que tu sortais d'un univers très étriqué dans l'argent des autres. Et... Pas si étriqué que ça, puisque toi-même tu l'as dit, c'était des grands décors. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même un microcosme un peu très... Oui, c'est sûr. Et là, oui. C'est vrai que te voilà enfin dans des décors naturels. À la nature, j'adore, oui. C'est vrai. Non, mais c'est toujours pareil. Le juge de paix, c'est le sujet. C'est le sujet qui veut ça. Ce qui est beau, c'est d'avoir dans un premier temps un monde
campagnard, bucolique, ravissant, totalement virgilien et tout, qui se transforme en un cauchemar vivant. Ce n'est intéressant que si c'est dans un espace grand. Et ça, c'est oui, bien sûr. Et de toute façon, là, encore plus que ce dont on parlait tout à l'heure, les apparences du monde qui restent sont évidemment menaçantes, mais on ne sait pas ce qu'elles cachent. On ne sait pas ce qu'ils vont trouver, on ne sait pas vers quoi ils vont. Et là, on est en plein dans un autre piège, un piège tout à fait évident, primaire. Il faut faire avec. Hein. Alors, au début, ça se passe, au début, ils n'ont même plus le courage de parler, d'abord. Film quasi muet, au début. Quand ils sortent de la catastrophe, là, ils ont une telle commotion, c'est une commotion vitale, c'est une espèce de sidération totale. Ils ont désappris à vivre, ils ont désappris à parler. Et il y a Michel Serrault, à un moment, le châtelain, donc un des survivants, dit si on recommençait à parler, si on essayait de recommencer à parler, et la parole est dangereuse, parce que si vous commencez à parler, vous commencez à vous poser des questions sur savoir qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, et puis vous avez peut-être de la famille à côté, puis vous avez... c'est très dangereux de commencer à parler quand c'est une catastrophe de cette ampleur. On pourrait peut-être se remettre à parler. Je vais chercher du bois. Bref, ils arrivent quand même petit à petit à recommencer à parler. Ils arrivent petit à petit à réinventer des gestes. La première naissance qui arrive, le premier veau. Il y a le premier essaim d'abeilles qui revient. Il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a un peu de blé qui repousse. Dutronc qui construit qui essaye de reconstruire un post-émetteur. C'est comme ça que la vie petit à petit revient. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se recréer entre eux des liens, des nouveaux liens qui vont être, troisième étape, remis totalement en danger par un autre groupe de survivants qui les découvre. On pourrait presque faire un parallèle justement entre les deux clans. Avec effectivement le Trintignant à l'argent des autres avec les banquiers, et effectivement deux clans dans Malville, où effectivement il y a Serrault, et là Trintignant qui fait un rôle de méchant. Quoi. Vous voulez la guerre ? Non. Mais dites-vous que vous n'êtes plus seul. Ce sera moins simple maintenant. Oui, ça, il n'y a pas de doute qu'il y a il y a la bascule. Là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans leur décompte de château, Michel Serrault et ses acolytes, ils ont réinventé une forme de vie paisible et entre guillemets, on dirait démocratique maintenant. Tandis que tout au fond de son tunnel, comme une taupe, Trintignant qui lui a fait régner la terreur sur un autre petit groupe de survivants, à des procédés quasi, toujours dans les termes d'aujourd'hui, fascistes, pour faire régner son espèce de secte bizarre. C'est-à-dire que la formule, Dieu c'est Dieu l'a voulu, c'est nous les seuls survivants. Les seuls survivants autres, de la Terre. Il faut les éliminer, quoi, en fait. C'est à peu près ça. Et effectivement, Trintignant, donc, qui joue le rôle du fou ahuri, pas tellement ahuri, mais du fou sûrement, Et ces rôles sont un peu inversés par rapport à l'argent des autres au niveau de leur rôle. D'ailleurs, tu dis que ce qui t'a le plus intéressé dans le film-là, c'est que c'est un film de comportement. Oui, bah, tu sais, effectivement, comment réagissent dans cette situation-là ces gens-là, physiquement et moralement. C'est pas un point de vue... là encore, c'est plutôt un point de vue, tu vois, d'une évocation pas poétique mais si quand même c'est la vision qui compte, c'est pas le détail psychologique, il n'y a pas une introspection psychologique, y a pas, c'est,
c'est la manière dont, comme des, un peu comme des animaux, c'est toujours un point de vue un peu entomologiste, si on peut dire, hein, comme pour l'Alliance ou comme pour même l'argent des autres. Et c'est ce point de vue un petit peu entomologiste, je dois dire que c'est un point de vue que j'aime bien. Voilà. Et effectivement, je crois que ce qui est intéressant, c'est le comportement de ces gens. C'est ça, oui, c'est ça qui m'a intéressé, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Comment vous avez, au niveau des repérages, tout ça, les décors? C'était très compliqué, Melville. C'était passionnant à essayer de faire, mais c'était très, très difficile, forcément, parce qu'on avait certes, grâce à Claude Nedjar, des moyens, mais on n'avait pas de quoi détruire un château, ni d'avoir un château qu'on construit et qu'on détruit. Donc on a trouvé, pour la première partie, avant la catastrophe, on a trouvé une grosse gentilhommière qui était aux environs de Rodez, qui correspondait très bien à une idée d'une bonne vie très agréable dans le sud-ouest de la France. Et à 100 km plus bas, dans le Larzac, on a trouvé des plaines presque rases et déjà assez désertes, dans lesquelles on a construit, sur laquelle on a construit des ruines éparses qui correspondaient aux ruines de la gentilhommière. Ça, c'est pour le décor. Ça, qui n'a l'air de rien, mais c'était très compliqué à faire, c'était très difficile. Parce qu'il y avait dans la première gentilhommière une falaise, par exemple, qu'on a été obligé, en trucage, de remettre pour la deuxième étape du château, par exemple. D'autre part, il fallait donner à la vision du premier monde de cauchemar, dans leur sortie de la cave, il fallait donner d'entrée, il ne fallait pas d'herbe verte, il ne fallait pas de couleur, il fallait que tout soit gris, il fallait qu'il y ait une pluie de cendres, il fallait tout ça. Alors, on a eu de la chance, on a d'abord, pour certaines scènes, on a trouvé un barrage de l'EDF qu'ils ont bien voulu vider, ce qui fait qu'on a trouvé un sol craquelé et tout qui correspondait à une chaleur et une décomposition pour beaucoup de choses. On a pu brûler l'herbe qui correspond pour les moutons, les pauvres moutons, mais avec l'accord bien sûr des gens, et moyennant, on a pu brûler une partie de l'herbe, tu vois, on a pu noircir des troncs d'arbres. Bref, il y avait toute une recomposition du paysage à faire pour le film. Ce qui donne des décors tout à fait étonnants, puisque c'est des visions à la fois de solitude, d'abandon et de... Enfin, c'est une chose que je trouvais important à faire pour ce film, puisque là encore, ça correspond au paysage mental des personnages principaux. Là encore, c'est complètement lié à l'histoire qu'on raconte. On ne voit pas le cataclysme, on ne le voit pas. Non, oui, ça c'est un parti pris, oui. D'abord parce que ça, c'est pas du tout, j'avais pas du tout envie de faire un film catastrophe, et que c'est pas du tout... Si on commence à montrer l'arrivée d'une bombe atomique, et ça a été fait, hein, d'ailleurs. C'est pas possible. Et ça m'intéressait pas non plus. Et par rapport à ça, je trouvais beaucoup plus fort de le suggérer et de le laisser imaginer comme l'imaginaient les gens de la cave et qui ne savaient pas exactement ce qui s'était passé, qui étaient complètement hors circuit, si je puis dire. Et qui, c'est là où on parlait d'un voyage interplanétaire, ils débarquent sur une autre planète, en fait. C'est ça qui arrive. Et je trouve que c'était plus fort de ne pas montrer le détail de ça avant et pendant, mais de montrer le après. Oui, c'est ce que tu m'as dit, hein, c'est un film qui ne montre pas. Non. Et en fait, c'est un monde à recréer, quoi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et malgré tout, tu vois, donc là, on a parlé de la première étape. La deuxième étape, c'est la lutte contre la secte dirigé par Trintignant et qui arrive après. Et là, on en arrive à une autre partie du film, ce qui devient un peu plus, entre guillemets, conte philosophique, si tu veux. C'est que l'histoire recommence, les hommes retombent dans les mêmes travers, et que, bon, ça c'est...
C'est discutable, hein, je veux dire, mais ça c'est un choix qu'on a fait. Effectivement, hélas, l'histoire se renouvelle pas beaucoup. Elle se répète beaucoup. Et c'est, alors les premiers hommes survivants qui sont à quelques kilomètres de distance, ils commencent par se battre. C'est terrifiant. Mais malgré tout, ils s'étaient assez habitués, les gens du château, ils étaient assez habitués à une nouvelle vie qu'ils ont forgée pour que l'arrivée des hélicoptères de la civilisation qui a été épargnée et qui est la civilisation, dirons entre guillemets, encore un peu technocratique, apparaissent comme presque une deuxième bombe atomique, si je puis dire. C'est complet. Ce qui fait que certains veulent s'échapper par le ruisseau, on ne sait pas quel destin ils auront. Ici, unité d'intervention numéro 7. Vous pouvez vous faire une évacuation immédiate. N'emportez rien avec vous. Vous devez embarquer. Et dans Melville, il y a quand même ce thème qui est quand même un thème qui t'est très cher, c'est la survie. Oui. Tous tes personnages sont dans la survie. Oui, fait. Presque toujours, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est ça qui crée, d'une part, ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve les trésors d'imagination qui donnent envie de voir de tout près ces hommes, comment ils ont arrivé à s'en sortir. Et d'autre part, la notion de survie, ça donne toujours un environnement qui est toujours proche du fantastique, puisque ça arrive toujours avec des choses qui sont soit des changements de monde, soit des bascules. Et à partir de ce moment-là, c'est, encore une fois, on sort de ce qui est prévu normalement par on devient illégal, quoi. On sort de la norme. Et ça, je trouve ça bon, oui, c'est ça qui m'intéresse, oui, c'est vrai. Tu crois que les personnages de Melville, tu crois qu'ils font le bon choix en rejoignant la civilisation dans cet hélicoptère? En fait, ils n'ont pas beaucoup le choix, la vérité. Il y en a certains qui ont peut-être choisi, mais on ne sait pas quel sera leur destin. Tu aurais choisi quoi, toi? D'être sur le bateau? Ah, sur le bateau, sans hésiter une seconde. Alors, dans Melville, tu retrouves Michel Serrault. Ouais. Alors là, Michel Serrault, non seulement il est sérieux, là, parce que déjà tu nous l'avais rendu sérieux dans L'Argent des Autres. Sérieux dans L'Argent des Autres, sérieux, mais avec une ironie glacée qui était assez intéressante. Mais alors là, Serrault, tu nous l'as intériorisé. Oui. Il a jamais... T'as vu comment il l'a fait? T'as vu comment il a joué le jeu? Et il est formidable.